Allô, ouais. Non. Sérieux? Bon, on fera sans toi. Ouais, ça marche. Allez, ouais, à tout à l'heure. Tout à l'heure? Il peut pas venir. Il peut pas venir? Et pourquoi? C'est bon, on m'a dit. Mais les gueules, vas-y, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça se passe. On fait comment, du coup? C'est pas qu'on ait des bras cassés, hein, mais on fait toujours. Personne ne veut. Je sais pas, faut réfléchir à une solution, quoi. Bah, ça peut pas se passer comme ça. Enfin, non. Si elle vient pas, c'est mort. C'est juste pas possible. C'est. Bah, on est obligé. Ça me gêne. Prends quoi? La remplacer comme ça, mais. Là, oui, c'est clair. Au pire, bah il y a Lucas, mais ça fait pas trop quand même. C'est un peu flagrant quand même. Ouais, Lucas, ça va pas passer, je pense. Tu fais ça vachement mal, je sais pas. Bon. L'autre Lucas? Ouais, l'autre Lucas, ouais. J'ai une idée. Déjà ton intolérance pour tout ce que tu ne trouves pas beau et toutes nos belles éloquences pour que tu arrêtes le vélo. Ton rejet de la différence pour ceux qui arrivent en cargo. T'as bien une petite carence et nous on trouve ça rigolo. Oh mais ça le sort de chez toi, mon ami, tu ne vas pas prendre froid. C'est que si je te raconte tout ça, c'est bien pour toi et pas pour moi. Ça fait longtemps que je comprends ta conscience de ta dépendance, mais tu vas pas te mettre à l'eau. Tu parles et tu fais des avances, tout ça pour se prendre un râteau. Tu penses que t'as vraiment pas de chance, c'est juste que t'es pas un héros. Bois que de la bière à outrance, t'as raison, tu pourras attraper de ta philo. Oh mon ami, sors de chez toi. Tu ne vas pas prendre froid. Tu sais que si je te raconte tout ça, c'est rien pour toi et pas pour moi. Ça fait longtemps que je comprends. Sors de chez toi, mon ami, tu ne vas pas prendre froid. Tu sais que si je te raconte tout ça, c'est rien pour toi et pas pour moi. Ça fait longtemps que je comprends. Finalement, c'était pas mal, on s'en est pas mal sorti, non? Ouais, ouais. Il y a pas besoin d'aide.